bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on est de retour dans Resident Evil 4, évidemment, avec un DLC incroyable qui vient de sortir et qui à l'époque était une exclusivité sur PlayStation 2. On parle évidemment du DLC de Ada, Separate Ways, donc chemin séparé, vous l'aurez compris, et on va jouer avec Ada. Et on va suivre les aventures de Leon, mais du point de vue d'Ada, c'est-à-dire en parallèle. Bref, une autre voie, ça va être exceptionnel. Comme d'habitude, installez-vous, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, des écouteurs, un casque, et profitez en 4K, 60 FPS, évidemment. Et c'est parti, let's fucking go pour l'épisode 1 de Separate Ways. Let's go. En mode de difficulté, évidemment, on va commencer en normal. Et c'est parti, pas facile, faut pas abuser non plus. Parece que me toca bailar, hermano. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses plus? Tes préférés, je crois. Content de te voir, Ada. La torture, c'est vraiment pas mon truc. Et oui. Je te remercie. Tu sais, ces abrutis de moines à la con ont pris tout ce que j'avais. Y compris l'ambre? Non, je suis malin. Je l'ai caché juste à temps. Ok, tu m'y emmènes? Avec plaisir. Bon, ok, on y va. C'est des cinématiques qu'on ne voyait évidemment pas sur PlayStation à l'époque, PlayStation 2. Donc ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur le lore, et on sait comment Louis a été libéré grâce à Ada, évidemment, qui s'est habillée. Ça, j'aimerais bien le savoir. Oh waouh, ça me fait trop bizarre de retourner dans le jeu, ok. Ok. Oh, je peux déjà recharger. Ah, pour mettre une balle dans la chambre, très bien. Ok, j'ai mon petit... Petit Uzi, pistolet, ben on est pas mal, très bien. Bon, de retour donc dans Resident Evil 4. Quel jeu, quel jeu, quelle aventure on a vécu ensemble. C'était quand même assez incroyable en début d'année. Vraiment, vraiment kiffé. Lui, il est foutu, hein. Il est foutu. Ok, très bien. Attendez. Ah, les demi-tours rapides, toujours faisables. Très, 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 très bien. Oh. Allons-y. Matadlo. Os vamos a aniquilar. On a de la compagnie. Ils nous cherchent.
On passe par le toit, d'accord? Compris. Bon voyage, Luis. Arriba y listo. Va chercher l'ambre. On se voit plus tard. Non! Attends, tu crois quand même pas que je vais laisser une demoiselle? Ok, on se retrouve à l'église. Et pas pour ton enterrement, hein? Ok, ça commence plutôt fort. Oh, waouh. Ok. On commence vraiment par un boss. En plus, je vois qui c'est les deux serviteurs. Oh. Je sais pas pourquoi je lui tire dans le yep. Ok. Oh, j'allais dire, somme toute logique, il y a quelque chose à l'autre bout, mais mes grosses couilles... Waouh. Très bien. Oh là, je pouvais mettre un petit coup de couteau à la Counter-Strike. Oh waouh, c'est une flashbang. Oh, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que... Une illusion. Ok, je sais où est le vrai. Il est là. C'est lui. Oh les bâtards! C'est lui. Et... Oh, je suis Kibla! Waouh! Allez, ça dégage. On utilise la grenade, rien à péter. Ah! Normalement, c'est Leon qui devait les affronter. Mais là, je crois qu'en fait... Je crois que c'est nous qui allons l'affronter. Donc, c'est bien parce que dans le jeu principal, c'est vrai qu'on ne les affrontait pas, les deux... Et je trouvais ça un peu dommage, voilà. Donc, si c'est bien eux deux, mais normalement ça peut être que eux deux. Ils se comportent vraiment comme les serviteurs à l'époque, donc je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Surtout qu'on les a vus en plus dans notre aventure avec Leon, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment les affronter, je crois. En tout cas, de les tuer. Ou alors je me trompe peut-être, je sais pas. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je doute. Je doute, je doute, je doute. Ok. Oh. Donc, on va récupérer ça. Oh, ce guy. Oh, ce guy. Ok, ok. Est-ce qu'on a une petite mallette, tiens? Non, on n'a pas de mallette, si? Bah, attendez, les gars. Si, on a quand même aussi une mallette. Est-ce qu'on va pouvoir... La custom, j'en ai aucune idée. Il faut aussi que j'essaye la capacité de mon couteau. À savoir ce qu'il est capable de renvoyer comme dégâts ou pas. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Je me demande si, normalement, dans Separate Wave, on n'avait pas le vendeur. En tout cas, on ne pouvait pas modifier ses armes. Est-ce qu'on peut maintenant... Bah écoutez, on verra aussi un petit peu plus tard. Tiens, on va essayer de checker là, peut-être. Donc c'est pareil, hein. Je ne sais pas s'il y a des objets à ramasser dans cette extension. Des spinels ou autre. Aucune idée pour l'instant.
Donc on va faire un petit tour très sympa, si vous voyez ce que je veux dire, du propriétaire. En tout cas, quel plaisir de revenir dessus. Je suis trop content, j'espère que vous aussi. À l'approche de l'hiver, ça peut être une belle petite aventure, aventure horrifique. Normalement, la durée de vie du DLC, on est à peu près sur, sur 4-5 heures. Allez, 6 heures s'ils ont ajouté des passages comme ça a l'air d'aller là. Ceci dit, s'ils en ont tiré... On a vite... Contrôle, vous m'entendez ? On a vite le même nombre. L'ombre. Je lui ai demandé d'aller le chercher. Contrôle, vous me recevez ? Je t'écoute. Continue. On a eu quelques petits imprévus. Et ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Louis est déjà en route pour l'église. Je suis ses moindres déplacements. Très bien. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Bien sûr. Je dois juste vérifier mon itinéraire. J'ai besoin d'une vue globale de la zone. Ok, lance grappin. Alors, à la limite, si Wesker il regardait une map de l'Espagne, je me dis pourquoi pas. Mais là, le mec, il a littéralement une map monde. Donc je vois pas trop ce qu'il peut regarder dessus. S'il regarde un traceur GPS sur une map monde... On n'est pas sorti de l'auberge. C'est là que je dois aller. Reste sur les hauteurs. Tu sais comment faire. Ok, une catapulte. Ok, un gars ici. Un autre ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Voilà. Et n'oublie pas ton objectif, l'ambre. C'est la seule chose qui compte. Mets vite la main dessus et apporte-le-moi. Entendu. Mais je peux peut-être faire un peu de tourisme. Ok. Donc là, on est clairement invité soit à tracer en ligne droite, soit à prendre notre temps. Je vais essayer de le... Waouh. Un souci. Pas du tout un souci. Ok. Wow. Pour l'instant, tout va bien. Quels sont petits zetas. Rajouter à cela 600. On a de quoi s'acheter un kebab. Salade tomate-oignon. Mayonnaise. J'espère que vous mettez ça dans vos kebabs et pas autre chose. Allez, sans oignons des fois. Parce que vraiment, les oignons... T'arraches la gueule. Il y a un mec juste au-dessus, je crois. Bon, pour ici, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Oh. Wow. Cette tenue m'excite. Par ici, toi. Ça peut être un peu long. Ok. Wow. Oh non, je croyais qu'il y avait une fenêtre. Okay. Il y a lui là-bas. Hein. Ok. On va prendre notre temps. Je l'ai dans l'angle. Gloria, Gloria, les gars. Je vais vous faire un par un si ça vous gêne pas. Ok, jusqu'ici. Oh la vache, il y a un petit coffre là des familles. Jusqu'ici, le plan est respecté.
Waouh, c'est plutôt pas trop mal. Ok. Ça, je le veux en premier, ça. Hein. Oh, 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 oh. Ça m'appelle. Oh, ok. Bijoux à pierre. Donc, on peut... on va pouvoir encore customiser tout ça. Quel bonheur. Ça a l'air bien, bien, bien plus complet. Très très bien. Là les gars, c'est de la totale impro. Hein. Je sais pas. Je sais pas par où on va. Ok. C'est trop stylé de faire ça en mode infiltration. Hein. Je kiffe. Oh waouh. Oh waouh. J'aime bien. Attendez. Ne dis pas que c'est ce que je pense que tu penses que je pense. Équipé, bien sûr. Ensuite, attendez. Ne dis pas que c'est ce que je pense que tu penses que je pense. Équipé, bien sûr. Attendez. Ne dis pas que c'est ce que je pense que tu penses que je pense. Ok. Ah. Ah ok. On commence à chauffer. J'aurais bien voulu être au courant un tout petit peu avant. Oh waouh. Ok. Attaque de mini-grappin. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Let's go. Ça, c'est très bien, ça. C'est l'éclatage de gueule en règle. Oh, waouh. Ça m'a fait si peur. Ok. Superbe. Ça, c'est avant de l'arrivée de Lyon, c'est ça? Descend. Plus prendre là. J'aime pas. Oh, salut mon frère. Comment ça va? Waouh. Ok. Ok. Ça, dès le début, c'est plus chaud quand même. Très bien ça. J'ai plus de cut les gars. On va pas faire les coquelicots bien longtemps. Ok. Ça on prend. Très bien. Ça on prend. Ok, j'en ai localisé un. Waouh. Je l'ai pas d'ici. Oh waouh. Je l'ai pas d'ici non plus. Ok, ici on est passé. Voilà mon objectif, ça va être d'essayer de localiser. Ok, ça je peux l'utiliser. Waouh, c'est bon, ça s'est fait aussi. C'est bon.
Mais bon. Problème. Ça c'est gratuit ça, genre. Waouh. Très bien, ça c'est embêtant. Très bien, ça c'est. Waouh. Ok, j'ai peut-être une idée. Venez les frères. Oh, l'idée est mauvaise. L'idée est anéantie dès le début. Oh non. Ok. Ok. Les bâtards. Ok. C'est bon là. Chacun a eu sa petite dose. Toujours pas, c'est pas possible. Toujours pas, mais je vais vous éclater la gueule, les gars. Dégage-moi de là. Ok, last. Suivant. C'est bon là, hein. Ça a l'air d'être bon. Bon, ça me fait chier ça, hein, cette connerie, hein. Ok. Alors on va où? On va où, on va où, on va où? On va aller là. Oh non, c'est pas vrai. Ok. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, Ada? Tu me fais peur. On va où maintenant? This is a question. Oh, ok. Est-ce que... Ah, j'ai une idée, bah oui, mais c'est par là. Superbe. Bon, bah écoutez, en vrai, je crois qu'on a géré de fou. On n'a rien oublié derrière. Donc ça, je suis très heureux. Et un petit trésor par ici, je suis encore plus heureux. Ils savent comment me parler dans le jeu. Un petit rubis. Allez. Ok, let's go. Superbe. Oh, moi, je vais me débarrasser de tout le monde. On laisse personne derrière, les gars, hein. On laisse personne derrière, je te le dis. Attends. Genre là, ça sert à rien, pas besoin de recharger. Et là, j'ai utilisé une balle de snipers. Waouh. Oh non. J'ai compris. On me déteste. Waouh. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire dans la dentelle avec vous, les amis, hein. Ça va juste être de l'éclatage de gueule. Ça va sur moi, ça? Non, c'est ok. Et le dernier. Waouh. Malin. Aucune. Bon. Et dire que j'allais les faire au pistolet, putain de merde. En vrai, faut que je me soigne, mais j'aime le risque. J'aime le risque. Donc on va essayer de ne pas le faire. Ok, très bien. Très bien. Il y a de la munition là, hein. Ça, toute cette phase là, les amis, n'existait pas sur PlayStation 2 de mémoire. Donc là, normalement, on parle du passage de l'église. Donc, soit Leon vient tout juste d'arriver, soit il est en train d'arriver. Okay. Donc là, la porte est toujours pas baissée puisque Leon n'est pas arrivé là. Hein.
Ah si, c'est celui qui surveillait l'entrée du château, donc je crois qu'on est tombé dessus. Bien ! Les amis, chapitre terminé. On va commencer par save déjà. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. Et très honnêtement, bah écoutez, c'est quand même un kiff. Voilà, je pense que ça s'entend. J'ai le sourire, évidemment, aux lèvres. J'ai passé un agréable moment dans ce premier chapitre qui était finalement qu'un petit tuto. Et là, ça va devenir extrêmement intéressant. C'était presque même un chapitre bonus. Donc, installez-vous confortablement. Demain, vous aurez la suite de votre épisode, évidemment. J'espère que ça vous fait plaisir. À très bientôt. À demain, tout le monde, pour la suite. Bye bye. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir.